Les chauffeurs et receveurs de la CNT sont souvent victimes d'agressions pendant leurs heures de travail. Une population estudiantine parfois incontrôlable représente également un problème aux usagers d'autobus. Les à l'école, les à pointe, tout ça, nous avons beaucoup d'agressions et de passagers et que beaucoup d'enfants bien mauvais. Ça, la force policière qui se renforce aussi pour le transport là. Mais nous, nous sommes contents qu'on m'a dit nous avons le site. Comment moi, je roule dans le bus 2017, les enfants rentrent pour l'impôt, mais il n'est pas correct. À Rivière des Galets, il y a plusieurs fêtes qui sont là, où tout le monde malfaité est venu. D'autres crasent bis, de battre chauffeur, de battre contrôleur. Ça m'a dit la police explique nous qui besoin faire. La nouvelle unité de la police organise des rencontres avec les employés du secteur de transport pour mieux les sensibiliser sur les bons réflexes à adopter. Besoin de contrôleur et de chauffeur, particulièrement, comment ils ont besoin qu'on prenne d'autres dans le bus. À cause d'une responsabilité envers les passagers, pareil comme les passagers, et une responsabilité envers les contrôleurs et les chauffeurs. Ben là, en plus qu'ils nous sensibilisent les autres, ben là, une voice out, une dire comme ça, quand les jours des grandes fêtes, et d'un manque d'effectifs, de pénalité la présence policière dans l'endroit côte Ariste. IOS Transport Squad compte bientôt lancer sa campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques dans les institutions scolaires.